Bonjour, bonjour, bienvenue. Avec moi, Hélène Genin. Vous êtes déléguée générale de l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone. Nous sommes toujours au Forum Bois Construction. Et donc avec vous, nous allons parler de quelque chose qui intéresse beaucoup la construction bois, c'est le carbone. L'Association bas carbone, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui vous êtes? Alors l'Association bas carbone, c'est une association qui est née il y a une petite année, c'était en mai 2015, de la volonté d'acteurs majeurs de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, de prendre en charge, de s'atteler à la lutte contre le réchauffement climatique de par les acteurs de l'immobilier, ouais, pour faire évoluer les pratiques vers une construction bas carbone. D'accord. Quand vous citez, vous parlez de grands maîtres d'ouvrage, de gens comme ça, vous pouvez nous citer quelques noms comme ça, même si on ne pourra pas dire bien tout. Sûr. Donc vous avez des promoteurs, des investisseurs, vous avez Bouygues Immobilier, vous avez Eiffage, vous avez Vinci. D'accord. Donc on est sur des majors, on n'est pas, c'est pas une petite association, on va on dire. On est sur des acteurs majeurs. On est sur des acteurs absolument majeurs qui s'intéressent au carbone. Voilà. Je vais vous chercher un petit peu, c'est pas un peu un affichage? Alors en fait, à l'origine, l'association comptait 65 membres qui, effectivement, ceux qui étaient à l'initiative étaient là et ont pu faire bouger les choses et accompagner ce développement. Aujourd'hui, l'association compte 100 membres et nous ont rejoint des structures de taille plus modeste et qui, en fait, trouvent dans l'association l'opportunité d'embarquer en fait leur message, d'embarquer leurs actions de construction bas carbone. Et donc aujourd'hui, vraiment, l'association est totalement... Voilà, ce n'est pas du greenwashing, c'est pas que de l'affichage, c'est un vrai travail. Un vrai travail, absolument. D'accord. Alors, on a présenté un peu l'association, un an d'existence. Vous travaillez aussi avec d'autres associations, je pense à HQE, je pense à... Est-ce que tout ça, c'est un peu le même monde? Alors, ce qui est certain, c'est que nous travaillons tous sur l'environnement, la performance environnementale. La spécificité de l'association BBCA, c'est de prendre un sujet qui est le carbone. Donc, vous ne vous intéressez qu'au carbone. Qu'au carbone, puisqu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'indicateur de performance des bâtiments sur la construction carbone, sur l'indicateur carbone. Et c'est le sujet de l'association et du label qui vient d'être lancé, c'est-à-dire établir un label qui atteste des performances de réduction des émissions de CO2. Dans la construction, sur tout le cycle de vie. Sur tout le cycle de vie, ça veut dire, on parlait de la forêt avec monsieur, tout à l'heure, monsieur Le Picard, qui est le président de France Bois Forêt. L'idée, c'est de partir, de, par exemple, si on parle de bois, de tout le cycle de vie du bois, c'est-à-dire du moment où je vais construire. De la construction, mais aussi au moment où je vais le planter, où je vais le scier. Jusqu'à sa fin de vie, lorsque je vais peut-être le transformer en bois de chauffage. Alors absolument, il se trouve que le label BBCA, il est œcuménique en termes de matériaux. C'est un label qui atteste des performances bas carbone. Les performances bas carbone, elles émanent de quatre grands piliers en fait, dans la construction. C'est d'une part sur tout le cycle de vie. Là, on est un peu sur la méthode, c'est ça? Absolument. C'est la méthode que vous avez suivie, allez-y. Absolument. Donc c'est la construction d'une part, donc faire une construction raisonnée avec des matériaux en bonne quantité, au bon endroit, selon leurs vertus. Le deuxième point, c'est l'exploitation, c'est-à-dire l'exploitation, l'énergie qui est utilisée pour la vie du bâtiment en termes d'exploitation. Et enfin, deux autres axes qui sont la capacité du bâtiment à stocker du carbone par la présence de matériaux biosourcés dans le bâtiment. Et enfin, le dernier point et le quatrième, qui est l'économie circulaire, c'est-à-dire la capacité du bâtiment à évoluer, se transformer à sa fin de vie, avoir une nouvelle vie et intégrer du matériau recyclé. Voilà. C'est-à-dire soit avoir un bâtiment qui a une nouvelle vie, soit un bâtiment qu'on pourra démonter éventuellement. Absolument, pour pouvoir recycler un par un les différents composants. Et c'est la somme de ces quatre piliers qui va donner en fait un score à partir du référentiel de la méthode que nous avons établi avec le CSTB, avec des cabinets d'ingénierie Artelia, Saint-Théo, Pouget Consultant, pour effectivement mesurer ce qu'est un bâtiment bas carbone. D'accord. Voilà. Alors ça c'est la méthode. Vous avez lancé le label dernièrement, c'était au pavillon de l'Arsenal à Paris, je ne me souviens plus quel mois c'était, mais enfin c'est très récent. Donc ce label, c'est ce qui... ça vous donne des points, c'est ça, si j'ai bien compris. Exactement. Comment ça fonctionne? Alors le label, en fait, il fonctionne en deux temps. D'abord, des émissions évitées de carbone. On va calculer en termes de construction et d'exploitation les émissions qui ont été évitées par rapport à une moyenne qui nous est fournie par HQE Performance. On va ajouter à ces éléments, donc c'est des performances de bâtiments en termes de kilos de matières biosourcées
intégrés au bâtiment. On parle en kilos, c'est ça? En kilos, ouais. Absolument. Et qui donc séquestrent du carbone. Et enfin, sur l'économie circulaire, en capacité du bâtiment à se transformer. Tout cela est transformé en points BBCA, parce qu'on ajoute des choux, des carottes, c'est pas la même chose. Un point BBCA, c'est 10 kg de CO2 non émis, soit globalement à peu près 1% en moyenne des émissions d'un mètre carré de bâtiment construit. D'accord. Alors quand on fait un label comme ça, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux acteurs de la construction? Parce que pour l'instant, on est plus sur de la pédagogie, je pense. Mais comment on veut les amener à moins à stocker le carbone et aussi à moins en dépenser, entre guillemets? Exactement. Alors la première mission de l'association, c'est déjà de faire prendre conscience de l'urgence à travailler sur la construction bas carbone, qui est l'avenir de la construction. Le deuxième axe, c'est de fournir des méthodes de mesure, c'est l'objet du référentiel qui a été établi, et enfin, de permettre aux constructeurs de s'étalonner et de faire valoir les bonnes pratiques, et bien sûr pour nous ensuite, de mettre en lumière ces pratiques vertueuses pour les propager et que, in fine, on construise bas carbone. On préfigure la prochaine réglementation avec ce label? Alors c'est effectivement ce que Philippe Pelletier expliquait et intègre. Alors, Philippe Pelletier est président du plan bâtiment durable. Effectivement. Nous travaillons en lien en fait avec les travaux de la DHUP, avec le FCBA, avec les experts de l'environnement. Et l'objectif effectivement c'est de s'inscrire en convergence dans ces évolutions, mais au travers du label, d'aller chercher la performance réellement et de la montrer à voir pour faire évoluer les pratiques. Donc il y aura trois niveaux de label. Le premier niveau de label équivaut à 25 points BBCA. 25 points BBCA, c'est ce qui m'a fait... C'est 250 kilos évités. En fait. Voilà, 250 kilos évités. C'est un quart évité. Voilà, c'est un quart évité. Mmh. Le deuxième niveau, c'est le label BBCA Performance, qui équivaut à 40% d'émissions évitées. Mmh. Et enfin, les bâtiments qui auront le label BBCA Excellence auront atteint les 50% d'émissions évitées, qui est un peu l'objectif que l'on se fixe aujourd'hui, de réduire de 50%, de moitié, les émissions de carbone. Alors, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de notre entretien, à quand le premier bâtiment labellisé? Et puis, est-ce que ce sera un bâtiment bois? Alors, les accords sont faits pour le bureau, le certificateur est CertiVA. Pour le logement collectif, les certificateurs sont Cercal et Promotelec. Et il est évident que donc les ouvertures, les labels sont ouverts pour les bureaux. Ce sera fait courant avril pour le logement collectif. Il est évident que le bois a des atouts très très importants, tant au niveau de la construction, parce que c'est un matériau qui est peu émissif, au niveau de l'exploitation, parce qu'en fait, les procédés, il a des qualités, notamment en termes de qualité pour les ponts thermiques, qui a ces états-là. Et bien sûr, sur le stockage carbone, le bois a des éléments ajoutés. On a du carbone dans cette table. Absolument. Donc, des exemples montrent que déjà, avec une ossature bois, on peut gagner 25 points, qui est le premier ticket. Assez facilement, finalement. Donc, le bois va nous permettre assez facilement d'accéder au label. Mais le label n'est pas qu'un label bois. N'est pas qu'un label bois. C'est un label bas carbone. C'est un label bas carbone. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur le format de construction bois. Donc, on défend le bois. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Hélène Genin. J'imagine qu'il y a un site internet sur lequel on peut aller se renseigner. Absolument, www.bâtimentbascarbone.org. Vous aurez toutes les informations et n'hésitez pas à venir le visiter et à adhérer à l'association. Et à adhérer, bien également. Sûr, à l'association. Voilà. Merci, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et cette présentation du label bas carbone. Merci. Très perturbé par...